100% CO, présenté par Sudoto. Nouveau SUV Citroën C5 Aircross, le SUV en classe confort. Citroën. Le nouveau SUV Citroën C5 Aircross, disponible chez Sudoto, à Castres, Mazamet et Revel. 100% CO. Tous les jeudis soirs de 19h à 19h30. Bonsoir à tous et merci de nous retrouver exceptionnellement vendredi 100% CO, comme tous les... Ce soir, exceptionnellement vendredi, voilà. Cyril Masson. Parce que sinon, est c'est comme nous. Tous les jeudis. Hein, exactement, sauf qu'on est vendredi. Exactement. Voilà. Bonsoir Manu, bonsoir à tous. Bienvenue dans 100% CO. Pas de Castres Olympique version pro cette semaine. Les joueurs sont en vacances. Un repos bien mérité avec la victoire de ce week-end contre Clermont. On en profite pour s'intéresser aux équipes de l'association du Castres Olympique. Ce soir, on a choisi de parler des sections féminines du CO, les seniors et les cadettes. Alors, pour en parler, nous recevons Patrick Roca, l'entraîneur des seniors féminines et des cadettes. Bonsoir Patrick. Bonsoir. Alors, je vous arrête tout de suite, Manu, parce que je vous vois venir. Oui, il fait une émission sur les féminines, il invite que des hommes. Et bien, pas du tout, parce qu'on reçoit aussi Margot Fieux, joueuse des seniors, trois quarts polyvalente. Bonsoir, Margot. Bonsoir. Et on reçoit également Léa Thuy, joueuse en cadette qui évolue au poste de troisième ligne, capitaine des cadettes. Bonsoir, Léa. Bonsoir. Et merci beaucoup à tous les trois d'être avec nous. Je voudrais commencer, Léa, avec toi. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire depuis quand tu joues au rugby? Comment tu t'y es mise et puis comment t'as atterri au Castres Olympique? Alors, je joue au rugby depuis 4 ans. J'ai commencé le rugby avec l'UNSS en 4e, 3e. Ça m'a plu et on m'a conseillé de venir au CO. Et j'ai intégré donc le CO. Il y a eu de suite une cohésion de groupe. Donc du coup, depuis, je suis dans ce club et... C'était déjà le CO quand tu y es arrivé ou tu avais commencé au CERF directement? Oui, au Castres Olympique. Au Castres Olympique. D'accord. Margot, même question. Comment est-ce que tu es arrivé au rugby, toi, et comment est-ce que tu es arrivé au Castres Olympique? Et du coup, moi, j'ai commencé le rugby à l'UNSS à la Borde Basse, en seconde avec Eric Charavel, qui entraînait à l'époque les féminines du CRF avec Yvonne Bailly. Qu'on connaît bien, qui a été champion du monde au UNSS, ouais, au Japon il y a 2-3 ans. Ouais. 2 ans, oui, maintenant. Et suite à ça, en première, il m'a conseillé de commencer au CRF. Donc j'ai évolué en cadette pendant 2 ans au CRF. Et ensuite, je suis passée en senior au Castres Olympique. Patrick, tu peux nous dire un mot, toi, sur ces deux équipes, sur ces équipes féminines, les cadettes, les seniors? Ouais, alors, les cadettes, cette année, c'est un groupe vraiment de copines. Donc qui pour la plupart sont au centre de la Borde Basse, à la section rugby. Donc, ce qui fait que rugbystiquement, on a quand même quelques qualités. Voilà, et ça évolue bien. Bon, on les a intégrés dans la catégorie B parce que l'an dernier, il y a eu de mauvais résultats. Et là, c'est un peu la promenade de santé. Sur les matchs de poule. On va en parler tout à l'heure, ouais, dans le détail. Pour les seniors, c'est bon, l'ambiance est très très bonne, mais on a quelques soucis d'effectifs, puisqu'on a perdu quelques filles importantes à l'intersaison et qu'on n'a pas pu remplacer. Donc les résultats sont en dents de scie. L'état d'esprit est bon. Voilà, on travaille un peu plus sur le sportif, quoi. Ouais. Pas de forfait, vous avez réussi à faire tous les matchs. Non, ah oui. Ouais, mais c'est hors de question. Je souligne parce que tu étais venu nous voir dans une émission en début d'année et tu nous avais expliqué à quel point c'était compliqué d'un point de vue effectif de réunir un nombre de joueurs. Donc au moins ça, c'est... Voilà, vous y travaillez. Alors, on va parler de la partie sportive, évidemment. On va commencer avec les cadettes. Léa, c'est simple, depuis le début de la saison, vous marchez un petit peu sur l'eau. 7 matchs, 7 victoires. Je cite en vrac quelques scores, 54-7, 53-0, 44-0. Le match le plus serré cette saison, c'est une victoire à Colomiers, 17-12. Nous, quand on donne les résultats dans cette émission régulièrement, on emploie le terme, on dit les cadettes, eh bien, elles ont encore cassé des bouches. Vous vous régalez cette année? Oui, on se régale dans tous les matchs qu'on a fait, on s'est régalé, on est ressorti vainqueur. Et franchement, ces matchs, ils ont été exceptionnels. On a eu une bonne cohésion de groupe, on est ressorti de match à 200%, mais il n'y a rien à dire cette année
par rapport au match. On s'est régalé. On a joué tout ce qu'on savait. On se régale encore plus quand on colle 50 points. Oui. C'est sûr que ça fait toujours du bien. Comment t'expliques une telle réussite, toi, Patrick, de ton point de vue de coach? Il y a une vraie différence. Elle est technique, elle est physique. Où ça se joue à ce niveau-là? Parce que là, on parle de 50 points d'écart sur la plupart des matchs. Ouais. Bon, mais je te dis, il y a le niveau, hein, puisque les filles sont dans le groupe B. Mais moi, j'attache beaucoup d'importance à l'état d'esprit. Et là, vraiment, elles sont irréprochables. Elles ont plaisir à se retrouver pour s'entraîner. Et donc, forcément, plaisir à jouer ensemble. Alors là, pour nous, c'est bien plus facile de leur parler de rugby, de leur faire faire du rugby quand elles ont envie d'avaler tout ce qu'on leur donne, quoi. Voilà. Après, il y a des joueuses de qualité. Il y a des filles qui nous ont fait du bien. On a la petite Camille qui est une joueuse top 100, tu vois, qui joue à l'ouverture, qu'on n'avait pas l'an dernier. Et voilà, qui s'est bien intégrée. Voilà. Je pense que l'état d'esprit est très important dans la réussite de cette équipe pour le moment. Parce que c'est pas fini. Hein. Ah oui, non, mais on est qu'au début de saison, on est d'accord. Enfin, au début, à la mi-saison. Les cadettes qui formeront les seniors de demain, Margot, vous les avez à l'œil, les petites jeunes? Pour ça, c'est un peu compliqué, sachant que Castres n'est pas un pôle très attractif au niveau des études. Ouais. Et qu'à côté de ça, on a beaucoup de clubs toulousains qui font concurrence. Donc, garder des cadettes dans le coin, on l'espère toujours, parce que bon, c'est un club de cœur. Mais derrière, il y a quand même l'appel des études qui... Il faut me partir quand même. Il faudra réussir cette transition-là entre les cadettes et les seniors. J'imagine que c'est un gros enjeu aussi pour le coach. Je le vois déjà, le coach comme ça. Ouais, non, partez pas à Toulouse. Margot a raison. On a quatre joueuses qui évoluent sur Blagnac, dont trois en top 16, quoi, qu'on pourrait avoir dans notre effectif. Bon, qu'on n'a pas. La section rugby nous fait du bien. Et ensuite, ce qu'on a mis en place depuis l'an dernier, c'est que tous les mardis soirs, on s'entraîne cadettes et seniors ensemble. Donc là, c'est pas des amis parce qu'il y a une différence d'âge. Mais je pense qu'elles s'apprécient et qu'elles se respectent. Donc là, je pense que ça va nous aider à garder les cadettes qui pourront faire leurs études dans le coin, quoi. Léa, toi, tu es en quelle classe là actuellement? En terminale. En terminale, tu vas avoir les études l'an prochain. Est-ce que tu sais justement ce qui va se passer, toi par exemple? Parce que t'es la capitaine des cadettes. Est-ce que tu sais ce qui va se passer? Tu y as réfléchi déjà? Non, je sais pas du tout. En fonction de où c'est que je serai acceptée. Après, j'espère toujours revenir. Si je reviens le week-end, m'entraîner le vendredi. C'est ce qu'ils disent au début. Et puis... Voilà, avec Astre, mais après. Il faudra avoir des disponibilités. Bien sûr. Et j'espère quand même rester en contact avec l'équipe. Je vois Patrick lâche là. Arrête. Patrick Roca qui est en train de la tenir. Non, non. Voilà, c'est ça. Arrête tes études. C'est bon. Le plus simple, c'est le redoublement. Hein. Comme ça, c'est une année de plus. Hein. On va se pencher. Vous êtes dans 100% CO, pardon, émission spéciale sur les sections féminines du CO. Nous avons Patrick Roca, l'entraîneur des cadettes et des seniors. Nous avons Margot Fieux avec nous, joueuse des seniors. Nous avons Léa Touy avec nous également, capitaine des cadettes. On se penche sur les seniors, la partie sportive. Donc avec toi, Margot. 6e au classement, 5e ex-aequo au classement sur 9 équipes. C'est serré dans ce championnat. Comment tu regardes cette première partie de saison de votre part, Margot? C'est un début de saison moyen. Avant le week-end, il y a deux week-ends passés, on n'avait pas gagné un seul match à la maison. Donc ça aussi, c'est compliqué mentalement. On fait des matchs qu'on doit gagner. Il y a des matchs qu'on doit gagner et qu'on perd ou qu'on fait match nul. Parce que derrière. Il y a eu un match nul contre Gaillac à la maison. À Gaillac. Ouais. Donc le début de saison est très moyen. Là, on passe sur les phases retour. On espère que ça va mieux se dérouler et qu'on va pouvoir augmenter. C'est un problème mental quand on dit on domine l'adversaire, a priori on domine le match et puis on n'arrive pas à être décisive. C'est d'où vient le problème? C'est peut-être un problème mental, un problème physique aussi. Le premier match qu'on a fait en début de saison, une chaleur monstre. Physiquement, les on n'était pas prêtes. Je ne sais pas combien ça avait été. 22-5, ouais. Vous aviez perdu à Toulouse, Cheminot, Maringo. On perd contre TCMS. À la fin du match, on est physiquement épuisé.
On a travaillé dessus, on a fait de la prépa physique les mercredis soirs, là on est à la muscu, donc on travaille dessus et ça se ressent. Combien d'entraînements par semaine ? 3. Pas mal. 2 entraînements terrain et 1 entraînement physique. Est-ce que l'entraîneur que tu es Patrick ressent tout de même du mieux ? Parce que quand on regarde les derniers résultats, vous restez avec les seniors sur 3 matchs sans défaite, un match nul à Gaillac, où tu me dis on aurait dû, ou tu dis aussi Margot, on aurait dû gagner, une victoire à domicile contre Blagnac et une victoire à domicile contre TCMS. On est quand même sur une phase... Non, mais je rejoins Margot, et je pense qu'il y a réellement un match qu'on a manqué, c'est le premier. On n'était pas prête physiquement, psychologiquement, on n'y était pas du tout. Et après, c'est monté crescendo. Mais les matchs dont elle parle, je crois que c'est surtout un manque de finition. Et ça fait partie des joueuses qu'on a perdues, qu'on n'a pas récupérées. Alors, on fait avec le matériel que l'on a, matériel entre guillemets, bien sûr. en fait, on ne peut pas leur reprocher grand-chose. Elles donnent ce qu'elles ont là en ce moment. Ouais. Comment est-ce que vous décririez, alors peut-être je me tourne vers toi Margot, comment est-ce que tu nous décrirais le jeu, le projet de jeu si on peut dire, qu'on essaye de mettre en place aux seniors féminines du Castres Olympique? On a un atout principal qui est quand même notre pack d'avant, on a un très fort pack, et suite à ça on essaie de travailler derrière, mais c'est un peu plus compliqué, on est beaucoup plus légère derrière, en sachant qu'on a perdu des cadres l'année dernière et surtout qu'on a beaucoup de filles qui soit ont commencé le rugby cette année, soit sont des cadettes qui montent. Donc il n'y a pas cette vision du jeu, ou du moins cette expérience qui permet de développer un beau jeu trois quarts, je dirais. Donc on s'appuie beaucoup plus sur un jeu d'avant qui est beaucoup plus expérimenté à ce niveau-là. D'accord. C'est une équipe qui est très jeune aussi, tu nous le disais tout à l'heure Patrick, les seniors féminines, la moyenne d'âge est quand même relativement basse, hein. On tourne autour de 20-25, toi Margot t'as 20 ans, on tourne autour de 25 ans de moyenne d'âge. Parle-nous, dis-le. Et alors ça, du coup, j'imagine... On a 4 filles au-dessus de 25 ans et les autres sont en dessous. Ouais. Et alors, il y a des avantages, il y a aussi des inconvénients peut-être en termes d'expérience, physiquement tu disais aussi parfois. Oui, c'est surtout qu'on manque d'expérience parce qu'on a des filles qui ont débuté le rugby cette année ou l'an dernier. Et il se trouve que ces filles qui ont débuté jouent derrière, quoi. Voilà. Oui, donc c'est une équipe d'hiver. Le seul souci que l'on a actuellement, c'est là, quoi. Voilà. Pour ça que sur les périodes hivernales, qu'on écarte peut-être moins que d'habitude. C'est encore plus compliqué là, Ouais, c'est pour ça qu'enfin, en étant bon sur les bases, on peut arriver. Être plus performant. 100% CO, on va se pencher un petit peu sur les résultats des autres équipes de l'association rapidement, parce qu'on parle classement, on parle résultat. Un mot sur les classements et résultats des autres équipes, les espoirs. Alors là, on est repassé chez les garçons qui cartonnent. Ils avaient mal débuté, on avait reçu l'entraîneur des espoirs en début de saison après quelques matchs un peu délicats. Ben là, ils sont lancés, ils sont troisième du classement. Ouais, à un point de la deuxième place, à 3 points seulement du leader Montauban. Hein. Ouais, parce que vous invitez les gens quand ça va pas. Que quand ça va pas, exactement. Donc là, vous pourrez et en repartant, ça va mieux. Donc, ils sont troisième de leur poule, les espoirs. Ça marche fort pour eux. Les Krabos, ils sont quatrième avec 30 points. Ils sont à 2 points de la troisième place. C'est serré. Après 10 matchs, c'est 6 victoires et 4 défaites pour les Krabos. Donc, bon, ils sont dans les clous. Faudra pas faiblir en deuxième partie de saison. Les KDB, ils sont en tête de leur poule. 7 victoires et 3 défaites. Premier avec 32 points à égalité avec le Stade Toulousain. Pour les KDA, c'est un petit peu plus compliqué. Ils sont 5e sur 8 dans leur poule. 4 victoires, 4 défaites et 1 nul. Ils sont 5e donc avec 17 points. Et puis alors ça, ce sont les résultats du week-end précédent. Donc on le disait, les seniors, les seniors féminines, vous vous êtes imposés contre TCMS. Les cadettes, vous avez mis 40 points à Villefranche de Lauragais. Et puis on a eu victoire des KDA, victoire des KDB et victoire des espoirs. Hein. C'était un 100%. De victoires pour les équipes de l'association du Castres Olympique ce week-end, c'est assez rare pour être souligné. Non mais est-ce qu'on est sur une bonne pente, une bonne période pour l'association Castres Olympique? J'imagine que vous en parlez aussi entre vous, les entraîneurs, les joueuses, avec les autres équipes. Ben oui, bien sûr. Les victoires, ça amène de la gaieté, hein. Et de l'envie de bien bosser, de la joie, et voilà quoi. Non, c'est très important.
C'est important. Les filles, est-ce que vous suivez tout particulièrement d'autres équipes? Quelles sont les équipes que vous regardez avec attention? Alors, les pros, j'imagine un petit peu quand même, mais les autres équipes, par exemple Léa, tu suis qui? Personnellement, je ne vais pas voir tous les matchs des Espoirs ou des Crabos, mais je suis les résultats des Crabos, puisqu'ils sont avec nous. C'est ta génération. Voilà, c'est ma génération. Mais après, ça fait toujours plaisir d'entendre que l'équipe, qu'une équipe a gagné le week-end où c'est qu'on a joué. C'est sûr qu'on regarde quand même quelques résultats. Et le tournoi destination version féminine, la France qui se comporte à merveille, ça sera quoi s'il fallait faire un choix? On regarde d'abord l'équipe de France féminine ou l'équipe de France masculine? Comment ça va se passer ce tournoi? Parce qu'entre les matchs, les études et tout, enfin, est-ce qu'on fait des choix? Mais oui, on fait toujours des choix. Après, c'est avec les préférences. Moi, personnellement, je trouve que les matchs féminines, je préfère regarder les matchs féminines parce que je trouve que c'est quand même un beau jeu. C'est quand même un beau jeu, même si c'est moins reconnu que les garçons. Et je préfère regarder les féminines. On avait eu un tournoi exceptionnel l'an passé avec les féminines qui remportent le Grand Chelem, me semble-t-il. C'était à Grenoble, hein, avec un stade plein, une ambiance exceptionnelle. Et c'est vrai que ça fait du bien, ça aussi, au club de Castres, au rugby féminin, que la vitrine, l'équipe de France féminine, remporte autant de matchs. Ouais, ah oui, mais, c'est important. Et justement, dans 100% CO, on va faire le questionnaire 100%, peut-être avant un petit jingle. Allez. 100% CO. Avec le nouveau Citroën Berlingo, on n'a pas inventé la famille, mais la voiture qui va avec. Le nouveau Berlingo, disponible chez Sudauto. Vous êtes une horloge, Cyril Masson. Une horloge qui indique le sud. Le questionnaire 100%, on a été plutôt sérieux ce soir. On vous a préparé un questionnaire spécial rugby féminin avec le tournoi destination notamment. Le point va à la première personne qui répond. Questionnaire de rapidité. Je peux jouer? Tu peux jouer, Manu, bien sûr. L'équipe de France féminine joue samedi contre le Pays de Galles. Dans quelle ville aura lieu ce match? Montpellier, un point pour Léa. Comment s'appelle la capitaine? J'étais pas prêt. Comment s'appelle la capitaine de l'équipe de France? Ça fait Gaëlle Hermé. Gaëlle Hermé, un point pour Margot et Léa. Il y a égalité. Qui est le manager de l'équipe de France? Annick Hérault. Annick Hérault, ça vient de là-bas, ça fait deux points. Pour l'instant, il y a deux partout entre les deux filles. Ça, c'est bien. Elle a été élue meilleure joueuse de l'année lors des World Rugby Awards. Elle est française. Qui est-elle? Jessie Trémoulière, ça venait de c'est toi, hein, Margot, j'ai pas de baiser. Trois points pour Margot. Attention, la dernière question. Où se déroulera la Coupe du Monde 2021? La Coupe du Monde féminine en 2021, ça a été attribué en novembre dernier. Elle se déroulera... C'est pas en France, ça se déroulera en Nouvelle-Zélande, les Néo-Zélandaises qui sont également tenantes du titre. J'avais mon micro qui marchait pas. Ouais, c'est pour ça. J'ai vu que vous donniez les bonnes réponses à chaque fois, mais on n'entendait pas. Je les écrivais. C'est dommage. C'est Margot qui gagne. Voilà, bah, je vous laisse. Bravo, félicitations, Margot. Je te laisse, Manu, voir le cadeau. C'est quoi les 10 000 euros, on avait dit? Un mug. Ah, pardon. Les 10 000 euros, c'est la semaine prochaine. Un petit mot sur les pros du Castres Olympique. Ils sont en vacances, on l'a dit, après la victoire contre Clermont. Le COK 8e, pas loin de la 6e place. Il faudra réaliser quelques exploits sur la phase retour. La situation est un peu plus compliquée que ce qu'on aurait aimé, mais bon, c'est comme ça. Le prochain match, c'est à Pau, le 16 février, et ce sera peut-être sans Jody Jenneker, qui passera en commission de discipline le 6 février après le match contre l'ASM. On suivra tout ça de très près. On revient au rugby féminin. Nous sommes avec Patrick Roca, entraîneur des cadettes et des seniors féminines du CO, avec Margot Fieux, joueuse des seniors. Joueuse des seniors, ouais, c'est comme ça qu'on dit. Et Léa Touy, capitaine des cadettes. De manière générale, il y a encore quelques années, le CO n'avait pas de section féminine. Est-ce que, les filles, c'est important pour vous de faire partie du Castres Olympique, du club Castres Olympique, Léa? Pour moi, oui, parce que c'est le seul club qui est à Castres. J'aurais imaginé un argument un peu plus, mais c'est ça, bon. Non, mais... comme les filles peuvent connaître le rugby, et puis c'est quand même un sport d'équipe, un sport de cohésion. Et moi, je trouve que le rugby, c'est quand même un sport génial. Et c'est bien qu'il y ait des filles qui puissent découvrir ce sport et à Castres, dans un club reconnu. Qu'est-ce que vous diriez aux parents qui...
veulent pas que leur fille joue au rugby. Quel est l'argument qu'il faut employer pour les filles qui nous écoutent à la radio? Après, moi, personnellement, mes parents n'ont jamais été contre le fait que je joue au rugby, mais c'est un sport comme les autres. N'importe quel sport, il y a des inconvénients et des avantages. Après, il fait souvent plus froid, mais si vraiment une fille veut pratiquer du rugby, derrière, oui, ça peut faire peur aux parents. Le côté combat, mais si c'est bien fait, il n'y a pas de souci. Par rapport justement au récent drame dans le rugby masculin, les décès de joueurs, est-ce que dans le rugby féminin, alors dans vos catégories, je suppose que quand même un petit peu, oui, on est encore épargné, mais dans le rugby féminin, même professionnel en général, on est épargné par rapport à ça? Est-ce qu'on est encore sur un rugby qui privilégie plutôt l'évitement plus que la collision? C'est ce que j'allais te dire, oui. Effectivement, elles sont encore dans le jeu d'évitement. Ce qui fait que... Mais c'est pour ça que c'est plus agréable aussi. Hein. À voir, bien sûr. À voir, bien sûr. Je recherche plus la notion d'espace. Ce qui fait qu'effectivement, il y a moins de contacts, plus de passes. Et pour moins de danger. Quoi. Juste pour répondre aux parents, vous pourrez regarder la vidéo après hein, sur notre site. Les filles, ça va, il n'y a pas de bleu, il n'y a pas de nez. Voilà, donc tout va bien. C'est un message aussi. Exactement, hein, c'est un message que je tiens à faire passer. Tout se passe bien. Ça va, tout se passe bien, les filles. Oui, oui. Bon, rapidement, avant qu'on termine ce 100% CO spécial section féminine du Castres Olympique, je voulais vous parler de deux petites choses. Alors d'abord, le calendrier des sections féminines. Voilà, il est là. Vous le regardez sur est-ce qu'on le voit bien? Oui, je regarde en même temps. Voilà, très bien, calendrier des filles a été réalisé. Je crois que Margot a été impliqué dans ce travail, voilà, donc achetez-le, hein, c'est voilà, format A4, vous voyez, c'est du BA13, c'est garanti 5 ans. Non, là, c'est une dédicace à Gaillac, hein, c'est ça? Voilà, elles sont allées dans tout le territoire, elles sont D'accord. allées à Gaillac, elles sont allées à Amazamé, voilà, donc le calendrier défi du Castres Olympique, vous contactez l'association, vous contactez le club si vous voulez en savoir plus, et puis Patrick, il nous reste une minute pour que tu nous parles aussi du Castres Olympique féminin, qui recrute et en partenariat avec un de vos partenaires, oui. qui est le Crédit Agricole, explique-nous. À la base, j'avais fait une demande au club, un appel auprès de leur partenaire, pardon, pour savoir s'ils avaient des emplois à pourvoir. Et j'ai eu en retour le Crédit Agricole, et il se trouve que je suis tombé sur des dames extraordinaires et qui sont dans la même galère que nous, puisque en fait elles cherchent à embaucher des filles ou des joueurs, des joueuses, qui aient le même état d'esprit que ce qu'on demande de nous dans notre sport. Voilà. Voilà, défi doté, je lis hein, l'annonce défi doté d'un esprit d'équipe, de solidarité et de combativité. C'est ça. Merci Manu. Et donc, on peut faire les deux, voilà, c'est un argument pour recruter. On peut venir jouer au rugby à Castres et éventuellement avoir un emploi au Crédit Agricole. Avec ça, on contacte Patrick Roca, l'entraîneur des seniors et des cadettes du Castres Olympique, pour en savoir plus. C'est déjà à la fin de ce 100% CO spécial section féminine. Merci beaucoup Patrick Roca, merci beaucoup Léa Touy, merci Margot Fieu d'avoir été avec nous. Nous on se retrouvera jeudi prochain, hein, Manu. On exactement. Retourne aux vraies traditions, horaires habituels, ancestrales. Exactement, après les infos de 19h. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Excellent week-end sur 100% avec les tubes et l'info pour la suite. Bonne soirée. 100% CO. Tous les jeudis soirs de 19h à 19h30. Vous avez suivi 100% CO avec Sudoto. Citroën. Le nouveau SUV Citroën C5 Aircross, disponible chez Sudoto, à Castres, Mazamet et Revel.